Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Parcours de vie. Alors je fais ça extrêmement pro, ça m'amuse beaucoup que tu me regardes comme ça. Aujourd'hui, on est à Lyon et on est dans le magasin, dans le shop comme on dit aujourd'hui, c'est hashtag vieux comme je parle, de Flo. Donc le magasin il s'appelle 81, qui est particulièrement dédié effectivement à tout ce que vous voyez ici, c'est-à-dire effectivement des bombes de graphes, mais pas que, ça serait trop réduire les choses. Et donc je suis très content d'être avec Flo aujourd'hui, qui est le gérant de la boutique. Et toi, tu m'as l'air d'avoir un parcours de vie hallucinant. Et le truc, c'est qu'en fait, je l'ai pris un peu au déboté, lui. Je l'ai fait un an et demi, deux ans que je vais acheter des bombes chez lui pour différents projets, différents spectacles, etc. Et à chaque fois, je lui dis, toi, tu vas passer un parcours de vie à la caméra. Alors, tu me percutes des fois, deux, trois fois, en me disant, ah oui, c'est vrai, etc. Mais on ne s'est jamais vraiment accroché. Et là, finalement, on a réussi. Ça a mis du temps, ouais. Ouais, ça a mis du temps. Et là, pour une fois, donc, on se voit et donc tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Alors, bonjour Flo, toi, tu décrirais comment ? Flo, 41 ans, gérant du 81 Store depuis 14 ans, bientôt 15. Waouh. Ouais, merci, je sais. Et, et voilà. On est pas mal, ouais. C'est une bonne définition, je pense. Ouais, je pense. Alors toi, je t'ai connu parce que c'était avec l'Enéide. Donc là, derrière, il y a les cadreurs qui sont Arnaud et Guillaume qui ont commencé justement par l'Enéide. C'était le projet que j'avais mené. Et j'étais allé acheter des bombes chez toi. Et après, j'avais bossé avec des graffeurs. Donc THTF, c'était le collectif. Ouais, ouais. Et j'avais fait le mur. Donc eux, ils graffaient tout ça. On s'était fournis ici. On a continué. J'ai envoyé des gens acheter des bombes chez toi parce que je trouvais que... Non, mais vraiment, parce que déjà, c'était hyper qualitatif. Merci. Vraiment, elles résistaient. En plus, moi, je suis un gros bourrin dans les projets. Il faut que ça tienne, tu vois. Ouais. Et après, donc, c'est plein de gens différents. On y reviendra dans ton interview quand tu me racontes qu'il y a des classes sociales extrêmement différentes qui viennent acheter des bombes. Et ça m'a beaucoup surpris parce que je pensais que ça restait quand même niché à une certaine clientèle. Ouais. Et en fait, pas du tout le cas. Donc, j'ai envoyé des amis qui sont venus en tant que pro pour différents projets. Donc, je pense à l'Ikebana, mais je pense à d'autres. Et à chaque fois que j'avais des retours d'eux, ils me racontaient que c'était formidable, etc. Toujours, tu étais toujours au service des gens, à les conseiller et tout ça. Et puis bon, je te voyais fonctionner. J'ai eu la chance d'échanger deux, trois fois avec toi. Et tu as ce côté bienveillant où tu m'as tout de suite dit, OK, viens quand tu veux, etc. On se cale et tout ça. Et j'apprécie énormément. Ouais, carrément. Ça, c'est top. Et toi, je pense que tu as cette psychologie bienveillante, tu vois, de l'accueil. Et ouais. Ça, c'est un truc qui m'importe beaucoup. On en parlait tout à l'heure quand on était à l'extérieur sur le fait d'accueillir les gens, de ne pas avoir de jugement. Enfin, on a toujours des jugements, mais de laisser une chance aux gens, de dire viens, c'est... Bah, c'est important. C'est-à-dire que c'est vrai que, comme tu disais, le graffiti, c'est un milieu qui est quand même un peu fermé, enfin très fermé même. C'est une image un peu forte, mais nous, enfin, moi, je fais du commerce. Donc, le but, c'est quand même d'ouvrir au maximum de monde et surtout quand les gens viennent, bah, qu'ils soient renseignés, bien accueillis et bien renseignés, quoi. Enfin, c'est la base du métier, en fait, tout simplement. Ouais. Non, je t'en prie. Ah oui, c'est vrai qu'on va se couper beaucoup parce qu'on est deux tchatcheurs et ça va être compliqué. Vas-y, surtout, n'hésite pas. Le truc, c'est qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais aujourd'hui qui est une part de toi, en fait, hein, clairement, là-dessus. Ce qui me plaît, c'est qu'en fait, ça allie mon parcours scolaire, entre guillemets, et ma passion. Donc, c'était réunir les deux. C'était pas forcément évident sur le papier. Et en fait, de le faire, ben, c'est un peu un bonheur quotidien. Après, c'est compliqué parce que c'est quand même un peu... On est là un peu tout le temps, etc. Donc, des fois, faut faire attention à ne pas perdre ça. C'est et pas compliqué. Être lassé, d'expliquer un peu toujours les mêmes choses, etc. Donc, il faut rester pédagogue. Donc, des fois, ben, on peut... Clairement, on est humain, on peut perdre la patience. Et puis, des fois, c'est l'inverse. On peut vraiment être super impliqué dans un client qui va venir expliquer ce qu'il veut faire et que ça va durer 5, 10 minutes, un quart d'heure. Il va être super content du résultat.
Par contre, il va pas. Toi, tu me disais que tu as recommandé le magasin à d'autres gens. Mmh. C'est pas forcément le cas tout le temps. Mais après, ben, que ça soit un effet boule de neige ou pas, ben, l'important c'est de le faire et d'être droit dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on sait qu'on vend un outil qui est. Un mec qui fait du graffiti, forcément, il connaît les bombes de peinture. Donc voilà, c'est ce qu'il veut. Il y a des gens qui commencent, donc ils ont besoin d'explications. Et puis il y a beaucoup de gens, ce que je te disais tout à l'heure, il y a énormément de notre clientèle qui viennent et qui ne sont pas du tout dans le milieu ni de l'art ni du graffiti et qui viennent juste acheter un outil parce qu'il va être moins cher et plus pratique. Et du coup, bah, ça c'est bien parce que nous, on leur explique comment s'en servir en très peu de temps. En fait, il ne faut pas que ce soit relou, mais il faut que ce soit un peu efficace et que ça aille au but. Et on espère, parce qu'on leur donne des clés au maximum, mais après, on ne fait pas leur place. Donc, on espère qu'ils soient contents à la fin du résultat, parce que c'est ça le but du jeu, en fait. Ouais. Et en plus, tu as un côté artistique de la création qui est hyper importante. Et tu vois, là, je suis pris dans une dichotomie, parce que c'est un truc d'opposition, parce que je vois tout ça, j'en ai fait un peu, et je vois les graffeurs aussi qui utilisent ça, qui font des choses merveilleuses dans street art. Enfin, vous l'avez tous vu sur Peinture Fraîche sur Lyon, qui est le festival et tout ça. Mais moi, ce que j'ai vu aussi, et c'est un de mes problèmes, je te pose cette question, comment ça se gère au niveau du déchet? Parce que c'est vrai que j'ai vu des caddies entiers, tu sais, de bombes vides. Et ça me pose des questions, sérieux, de savoir à gérer. Alors, comment tu traites tout ça, quoi. La bombe de peinture, elle a évolué quand même beaucoup au fil des ans, y compris au début du graffiti, que ce soit à New York ou à Paris, 20 ans après. À la base, il y avait des peintures au plomb, etc. Aujourd'hui, toutes les marques de peinture, quelles qu'elles soient, qui sont dédiées au graffiti, elles respectent les normes qui sont en vigueur. Elles sont sans CFC, sans plomb, etc. Et elles sont recyclables. Mais après, je pense que c'est pas. Effectivement, c'est pas. Je pense que c'est pas idéal. Alors, après, je sais qu'il y a certaines boîtes qui commencent à les recycler, justement, à les récupérer. C'est possible. Mmh. Après, en fait, déjà, le commerce de la bombe de peinture, déjà, de base, il n'existe pas au niveau du graffiti. C'est-à-dire, quand les mecs commencent à peindre à Paris, ils volent leurs bombes. Mmh. Ça fait un peu partie du folklore et de la culture. Et je pense que les mecs qui commençaient le graffiti à Paris ou à New York ou ailleurs, et qui sont des gamins, déjà, il n'y avait pas de notion d'écologie. Et en plus de ça, le recyclage, ils sont tapés, quoi. Et même moi, dans ma génération, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à peindre en 99, c'était pas vraiment une préoccupation première. Surtout quand t'es jeune. Parce qu'en fait, Non, mais sérieux, je sais que pour eux, c'est quelque chose de très loin. Mais c'est une question aujourd'hui qui se pose aussi, qui m'interpelle. Et je peux pas. C'est pour ça que je commence par ces questions, qui est, à mon avis, une des plus problématiques. Après, nous, on essaie de faire attention à ça, parce qu'évidemment, faut pas être teubé, ces problématiques. Elles nous touchent, elles touchent tout le monde, elles devraient toucher tout le monde. Moi, après, si tu veux, mon sentiment profond, j'ai un rapport à l'écologie qui est un peu particulier. C'est-à-dire que je coupe le robinet quand je me brosse les dents et je fais attention de trier mes déchets. Mais après, Total, ils font des marinades, ils ne paient pas leurs amendes. On est tous d'accord. Donc proportionnellement, en plus, on a une incidence qui est moindre qu'eux, effectivement. Heureusement d'ailleurs. Mais effectivement, on agit un petit peu quand même. Si tu poses la question et si tu veux mon sentiment sur l'écologie, évidemment, l'écologie, je pense que n'importe quelle personne pas trop teubée, elle est dans le bon sens. Après, là où j'ai du mal, c'est qu'on incrimine les gens, alors que les gens, les entreprises, par exemple, ou les politiques qui ont le pouvoir de vraiment mettre des choses en place pour que ça change vraiment, ils ne le font pas. Donc en fait, moi je déteste quand on fait porter la responsabilité aux gens d'en bas, alors qu'en fait c'est les gens d'en haut qui devraient décider ça et qui devraient le faire. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le greenwashing. Quand tu vois n'importe quelle pub de McDo, de Carrefour, de ce que tu veux, c'est les mecs qui ont le plus bousillé la planète. Là, maintenant, ils ont tous des logos verts. Ils disent « Ouais, nous, on recycle, on fait machin. Les légumes, ils sont pourris, on les met quand même. » Les gars, c'est vous qui avez tout niqué. Et là, maintenant, vous vous vantez de faire un effort. En fait, ça n'a pas de sens, vraiment, quoi. Donc, j'ai un vrai problème avec ça. Ouais, donc, j'ai rien contre l'écologie et le principe, parce que c'est évident. Par contre, j'ai vraiment un problème quand on incrimine les gens. Alors qu'en fait, c'est même si eux, chaque action peut compter, il n'y a pas de problème. Mais en fait, les vraies actions qui vont compter, c'est bien au-dessus. Et il faut vraiment que ces gens-là le fassent. Tu as une conscience politique qui est quand même vachement développée. On en a parlé par-ci, par-là, quand on s'est croisés tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Parce que tu te poses des questions, parce que ça, c'est quelque chose qui touche, en fait. C'est le monde, en fait. Et en plus, tu es au contact, effectivement, de toutes ces populations diverses, qui fait que tu peux avoir... Enfin, tu croises tellement de gens d'horizons différents... Et ça, c'est formidable, ce que tu me disais, ton employé, c'est que tu arrives finalement à avoir quelque chose qui te permet de te faire une opinion. Un panel très large. Ouais, c'est ça. Un panel très large. Et c'était un peu
la volonté dès le début quand j'ai créé le magasin, si tu regardes le logo, c'est pas un tag qui coule, quoi. Tu vois, c'est un logo propre. Très propre et très bien fait. Et parce que justement, il y avait une volonté d'ouverture. On voulait pas cloisonner le truc. On voulait ouvrir le truc à plus de gens possible. Et d'ailleurs, ça a été fait pendant des années. J'ai eu des mecs qui peignaient des toiles, qui avaient 70 ans, qui peignaient à l'huile, et qui me disaient « Ah, mais c'est quoi ces outils ?» Je leur expliquais comment ça marchait, et ils me disaient « Ah, bah finalement, je m'en sers, c'est bien, et tout. » C'est ouvrir un peu le truc à un maximum de monde. Après, c'est sûr que le graffiti, c'est un monde qui est très, très fermé et très cloisonné de par sa teneur et sa racine, qui est l'illégalité, et qui d'ailleurs, moi, je la rejette pas, au contraire, parce que je pense que c'est ce qui rend le truc encore vivant maintenant, c'est que t'as pas le droit de dessiner sur les murs. Et c'est une bonne chose. Et voilà. Après, les gens qui perdurent là-dedans, c'est qu'ils ont une grosse détermination à le faire, et malgré les gardes à vue, les problèmes, les embrouilles, etc. Donc, ça rend le truc... c'est ce qui fait que c'est pas complètement mainstream et pas complètement récupéré. C'est parce que ça reste illégal. Et heureusement. Ouais. Et bah, je suis d'accord avec toi, parce que heureusement, ça permet la créativité, justement. Aussi. Et c'est hyper important, surtout dans un monde... Enfin, aujourd'hui, où tu as besoin d'exprimer les choses et de faire de la beauté, parce que généralement, ils font de la beauté. Alors après, la beauté, c'est... Alors oui, d'accord, il faut la définir. Vas-y, non, mais je suis d'accord. En fait, quand on commence le graffiti, peu importe qui on est, est-ce qu'on veut vraiment faire du beau? Est-ce qu'on veut, peu importe, tout niquer, marquer son blaze le plus possible, ce qui est un peu le but du jeu? En fait, l'esthétisme, il est présent et il est paradoxal. C'est-à-dire qu'on s'applique tous à faire, même si c'est du tag brut, on s'applique tous à faire quand même un truc proportionné, etc. Et en même temps, c'est pas fait pour faire joli. Et il y a ce paradoxe avec le graffiti qui est assez fou et que moi j'ai toujours trouvé dingue. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui font des graphes mais complètement ouf, techniques, avec plein de couleurs trop beaux. Et ces gars-là, quand c'est des vrais, pour moi, ils font aussi des gueutards dans la rue. Et un mec lambda, quelqu'un, monsieur tout le monde, sans jugement de valeur, hein, mais monsieur tout le monde, tu lui expliques que le graphe qu'il adore et le tag qu'il déteste, c'est la même personne qui fait ça. Ouais. Et ça, c'est le paradoxe du graffiti. Mais après, ça fait son sel aussi, quoi. C'est comme ça. Et après, l'expliquer, moi, je suis pas à l'origine du mouvement graffiti. Et du coup, l'expliquer, ouais, c'est compliqué. Tu baignes et tu croises. Et justement, mais tu es quand même passionné. Et c'est un truc qui me plaît. Ouais, ça, je sais, ça m'éclate. Et ce qui me permet, tu vois, d'enchaîner, hop là, sur... On va attaquer le parcours de vie, 15 minutes après le démarrage. Ouais. Nickel. Toi, ça s'est passé comment pour en arriver là? C'est-à-dire, on rembobine et t'es petit. Alors, et c'est parti. Bah, petit. Moi, en fait, je suis lyonnais de base. À 6 ans, mes parents sont obligés de déménager en banlieue parisienne parce qu'on leur dit, en fait, c'est soit vous allez à Paris, soit c'est la porte, donc ils vont à Paris. Et en fait, moi, c'est vraiment... Alors là, on parle des années, je crois que c'est 88, 89, un truc comme ça. Et dans les années 90 à Paris, c'est la fameuse... T'as ça dans plein de documentaires, l'explosion du Goethe à Paris. Ça devient un phénomène de mode, tout le monde fait des Goethe et tout. Et moi, je grandis en banlieue parisienne et avec vraiment des institutrices... En CM2, par exemple, qui disait, il y a deux trucs, c'est faire des tags, c'est nul, fumer des clopes, c'est nul, et faut pas jouer avec les seringues parce que sinon tu peux choper le sida. Tu vois. Me souviens de cette période. Voilà. Ouais. Et donc, vraiment, tu grandis là-dedans. Et donc, moi, j'ai vraiment, quand t'es gamin, t'écoutes un peu ce qu'on dit un minimum, et donc, vraiment, cette image un peu négative du tag. Mais par contre, assez vite, ça me... Il y a un truc qui m'interpelle. C'est-à-dire que quand je fais un trajet en métro, que je prends le RER avec ma mère pour aller rejoindre une station de métro, il y a des voies ferrées qui commencent à être remplies. Et en fait, ces flashs de couleurs, ça m'interpelle. Et je sais pas, il y a un truc, voilà, mais ça m'attire pas forcément, mais ça m'interpelle. Et en fait, un peu après, clairement, c'est le rap, en fait, c'est la musique. Et c'est le rap, et c'est le mouvement hip-hop, de manière plus générale. Je découvre un peu ça, c'est-à-dire que ça commence un peu la radio, c'est l'époque où Skyrock était une radio de rock, mais je te parle de ça, mais vraiment en 93, 94, il commence de temps en temps à passer, parce que je crois que c'est Jack Lang qui fait passer une loi où il faut des artistes français, machin. Tout à fait. Donc là, t'as MC Solar qui arrive, t'as NTM, après, etc. Ouais. Et NTM, clairement, il y a ce truc de... Et IAM. Et IAM aussi. Ah, si. Mais NTM, il y a ce truc vraiment de la première fois que j'entends un truc d'NTM, je me dis waouh, en fait, clairement, la voix de Joey Starr, elle me marque, quoi. Et je commence, c'est l'album, c'est le 93, j'appuie sur la gâchette. Et en fait, ça, et après, il sort Paris sur les bombes. Et donc là, clairement, ça parle de graffiti. Moi, je peux pas imaginer que des mecs qui rappent
faisaient du graffiti avant, parce que je suis de la génération d'après ces mecs-là du terrain de la Chapelle, de Bandeau, Mautou, etc. Et en fait, quand je découvre ça, je me dis, waouh, en fait, il y a une espèce d'entièreté du truc. Et il y a un moment dans ma vie, bien après, en fait, je me dis, ouais, c'est trop tard pour me mettre au break, je vais pas faire du rap. Par contre, le tag, alors que je suis nul en dessin de ouf, mais ça m'attire et je commence à en faire, voilà. Et en fait, je ressens cash ce truc d'adrénaline de faire ça, l'odeur de la spray, la Altona de l'époque, etc. Les marqueurs, les trucs, les Velleda, les machins, et les Onyx et tout. Et là, d'un coup, voilà, ça me prend. Et bah, depuis, ça m'a jamais lâché, quoi. Collège ? Collège, en fait, c'est je suis en cours, je redouble une classe. Et je me retrouve avec un gars, et le gars, il fait pas du tag, mais il dessine, il fait un peu des logos, des trucs. Il fait les trucs, tu sais, les NTM, en carré, là, les bobs. Et moi, à cette époque-là, je fais du basket, et je suis fan de basket, je suis fan de NBA. Et donc, je commence à dessiner les logos des équipes, etc. Bien. Et il y a un espèce de truc qui se mêle, et lui, je le vois faire ces trucs de tag, là, et ça m'interpelle, et je commence à en faire. Et on se retrouve tous les deux à aller voler une bombe de peinture à un carrouf et faire des guetins dans notre cage d'escalier, quoi. Comme des gamins de 12 ans, mais sans du tout savoir le graphe, les métros, enfin, pas du tout, quoi. C'est vraiment un truc un peu naïf, alors que ça existe déjà. Mais c'est ça qui est marrant, c'est l'époque où l'information, on parle d'une époque où il n'y avait vraiment pas Internet. C'est vrai. Et c'est vraiment un truc de tu vois, de voisin de palier, quoi. Il y avait un truc, voilà, c'était très proche, et il n'y avait pas de diffusion de masse. Et après, mais même bien après, moi, quand j'arrive à Lyon, et que je me mets à faire du graffiti, c'est-à-dire que là, je te parle de ça en 93, mais moi, je dis pas, ouais, j'ai commencé à faire du tag en 93 parce que genre, ça fait plus ancien. C'est pas vrai. J'ai pris une bombe, j'ai fait des tags, ok, mais en fait, j'étais pas dans le délire que t'as. Par contre, quand j'arrive à Lyon, je reviens à Lyon en 96 ou 97, et deux ans après, je me dis, en fait, le truc dans le hip-hop, qui est là pour le coup, qui est devenu ma culture à 200%, je me dis, en fait, ma pierre à l'édifice, c'est ça, c'est de faire du Goethe. Et là, je me mets là-dedans, mais je ne sais même pas qu'il y a des magasins spécialisés, tu vois, il y en a déjà à l'époque, qu'il y a des magazines, etc., tu vois. Donc, je découvre un peu ça sur le tard parce qu'il n'y a pas Internet. Et c'est marrant. Et après, voilà, ça continue, ça ne m'a jamais lâché. Et puis, Tu finis ton collège, switches lycée ou tu ne switches pas lycée ? En fait, le collège, déjà, je commence à en fait... Je crois que je n'étais pas forcément teubé. Non, j'achetais pas le truc, quoi, tu vois. Oui, parce que ça te parlait pas. Et du coup, déjà la cinquième, j'ai du mal. La quatrième, à un moment, je fais, bon, ça redouble. Donc, je redouble, je suis en banlieue parisienne, je redouble. Et mes parents déménagent. J'arrive à Lyon, je fais la première, troisième, je redouble. Et je fais la deuxième, troisième. Okay. Donc, voilà. Et après, forcément, j'adore cette phase d'Oxmo. On te jette en BEP quand tu essaies de faire une fac de lettres. C'est génial. Parce que moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que je ne suis pas plus con que les autres, mais en fait, je suis feignant de ouf, quoi. Et parce que ça ne m'intéresse pas. C'est et en ça, fait, c'est... à un moment, on me dit, en fait, troisième, deuxième, troisième, ok, j'ai le brevet, machin, mais on me dit, ouais, par contre, les études générales, non, c'est mort. Et là, on sort une liste de BEP, et c'est des trucs techniques, et moi, je ne sais pas planter un clou, quoi. Et donc, je vois tous les trucs, et à un moment, je vois vente, et je fais, je sais pas, il y a compta, je suis nul en maths, je déteste ça, mais vente, je fais. Ok, mais vraiment sans savoir du tout où je vais. Et en fait, cash, ça me plaît. C'est-à-dire que j'arrive et je tombe sur des profs en lycée pro. Mes deux profs principales de commerce, il y en a une des deux, elle a fait commercial pendant 10 ans dans une boîte, machin. Et elle te parle d'un truc et tu sens que c'est concret et que c'est réel. Et en fait, c'est grave plus intéressant parce qu'en fait, c'est concret. Parce que le terrain de Pythagore, il y a peu de gens qui s'en servent. Par contre... Elle me parle alors, de trucs et ça c'est dépend, ça dépend qui. Tu parles des artisans, bien par sûr. Exemple, non, ils vont s'en servir. Mais toi, ça te donne un sens concret. Ah, tu dis, et on en manque en fait. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que je me retrouve dans une classe où en fait, avant, j'étais, je foutais rien, j'étais nul. Et là, sans être trop teubé, je ne suis pas premier de la classe, mais j'ai des bonnes notes. Et donc, ça, déjà, c'est gratifiant, ça change. Et puis, ça me plaît. Et après, il y a un truc par rapport à tout mon parcours qui est atterri au magasin, qui est capital, c'est qu'en fait, je suis en BEP et on me dit, ouais, il faut faire des stages. Et moi, je suis là, donc il faut aller dans un magasin. Et en fait, il y a un shop à Lyon qui a ouvert très peu de temps avant, qui est un des premiers shops hip-hop de Lyon, qui s'appelait MD Store. Et en fait, moi, je vais là-bas en tant que client, et en fait, je fais ma rentrée, et je me dis, en fait, si je dois faire un stage, c'est là-bas, quoi. Et j'y vais, et les mecs me prennent.
en stage. Cool. Et là, kiff absolu. Genre, je rencontre tellement de gens. Genre, je serre la louche à Bostaflex, alors que, tu vois, c'est un mec, c'est un rappeur parisien d'Épinay-sur-Seine. On est très, très loin de Lyon. Et je croise plein de gens, des acteurs aussi lyonnais, machin, des graffeurs aussi. Et il y a vraiment un truc. Et en plus, je tombe sur des maîtres de stage qui me font faire les vrais trucs, c'est-à-dire l'encaissement, une vente de A à Z, ils me font confiance, etc. Et c'est absolument génial. Et en plus, je suis vraiment dans un milieu, dans un mouvement. Et ben là, c'est ouais, clairement, c'est, je suis mordu. Et d'ailleurs, depuis cette époque-là, tout ce que j'ai fait après professionnellement et en termes d'études, j'avais dans un coin de ma tête un jour de me dire, faut que je monte ma boîte parce que eux, mes patrons. Déjà tout petit, enfin déjà tout petit, t'es plus tout petit là. Tu ouais, disais, pas tout petit, mais. Ouais, je veux devenir mon propre patron. Bah, pas pour gagner plein d'oseilles, pour oui, faire ce que j'aime. C'est ça. Eux, je vois ces deux Renois, ils ont 25 ans et ils font ce qu'ils kiffent, quoi. Ils sont dans leur passion, ils sont dans leur milieu, ils sont dans leur, à leur place, en fait, clairement, quoi. Et ça, ça m'a inspiré de ouf. Et ça a vraiment. Même si à un moment, dans mon parcours pro, ça s'est un peu éloigné, c'est resté un peu dans un coin de ma tête. Et à un moment, quand il y a eu l'opportunité, bah, j'ai foncé. Et grâce à ça, quoi, clairement. T'as quel âge, là ? 41. Non, avant. Là, la période où... Ah, la période là ? Là, 41. La période des stages, j'ai, je sais pas, 17, 18, 19, un truc comme ça. Quoi. Ok. Tu restes combien de temps là-bas ? Là-bas, alors, je fais 2 ans... La première année de BEP, on a des stages d'un mois, on en a 2 dans l'année, je crois. Et après, on a tous les vendredis, on est en stage. Et moi, je voyais mes camarades de classe qui étaient là en mode, qui étaient dans un magasin de chaussures pété. Ils disaient, putain, demain c'est stage, je vais nettoyer les chiottes toute la journée. Et moi, je suis là en mode, ouais, demain c'est stage, je suis en week-end, quoi. En même temps, je bosse, mais je kiffe, quoi. Je lis de sources, je croise plein de gens intéressants, c'est trop bien. Et la deuxième année, il y a des stages, pareil, d'un mois. Et, non, c'est ça. La première année, il y a des stages. Et la deuxième année, il y a des stages d'un mois. Et tous les vendredis, on est en entreprise. Et moi, je kiffe de ouf. Et après, je fais un bac pro. Et en bac pro, on dit, en fait, la vente, c'est t'as soit le petit commerce, soit la grande distrib. Et on dit, voilà, t'as fait le petit commerce, il faut que tu fasses la grande distrib. Okay. Et je vais à Carrefour Vénissieux. Et là, c'est l'enfer absolu, quoi. C'est genre, je bosse et je vois en 2 mois de stage écarté, je vois tous les gens de mon rayon qui... qu'ils aient 50 ou 25 ans, je les vois pleurer en réserve, craquer. Oh, bichette. Et je me dis, ouais, en fait, je comprends vraiment la différence. Et je me dis, ouais, je veux absolument pas faire ça et faire du petit commerce. Quoi. Voilà. Ok, donc on arrive sur les 20 ans, 21, 22 peut-être. Ouais, c'est ça. Après, en fait, je fais le bac pro. Je fous pas grand-chose, mais je l'ai Un petit lapin, on va se relaxer deux secondes. Ouais. Non, parce que tu vas me finir là. Nickel. Plus, quand je vois les cadres, ils sont en train de galérer. Non, mais je fais le bac pro. Je finis par l'avoir un peu ric-rac, mais je fous pas grand-chose. Et après, je me dis quand même, ouais, faut faire un BTS, quoi. Tu vois, genre, c'est mieux. Et je le fais. Déjà, on galère à trouver une formation, machin. Je fais ça, je trouve un stage, etc., en alternance, donc je suis payé, c'est bien. Et je tombe sur des patrons, c'était cool, c'était à la dure, c'était vraiment, c'était un truc, c'était un espèce de dîner qui était rue de la République et c'était un peu à la gagne, tu vois, c'était, il y avait un peu de la concurrence entre les vendeurs, etc., mais c'était très formateur, par contre. Et je fais ça, je ne m'éclate pas du tout là-dedans, je fais le BTS, évidemment, je ne l'ai pas. Je pense que j'aurais pu l'avoir, mais c'était, et les profs n'étaient pas prêts, parce que c'était vraiment, c'était un centre de formation, bref, on s'en fout. Mais c'est intéressant parce que c'est ce. Non, mais ce c'était l'époque où ça fleurissait comme des champignons parce qu'il y avait des subs de l'État et les mecs ils ouvraient les trucs, mais en fait il y avait des profs, ils avaient 2 ans de plus que moi, ils étaient à la fac et. Enfin voilà quoi, c'était naze. Bref, on s'en fout. Je l'ai pas, je veux pas le repasser en candidat libre. Et par contre, ce truc de le faire en alternance, derrière, c'est un adjoint, mon agent de responsable quand je suis stagiaire, qui se barre dans une grande chaîne de vêtements à la con. Et c'est lui que je croise quand je suis au chômage à la fin de mon BTS, 2-3 mois après, et qui me dit, moi je bosse là-bas, postule, machin, il me fait enquiller dans le truc, et après je fais une carrière là-dedans, et je finis manager dans un gros magasin à la Part-Dieu, qui est un truc, enfin, manager, adjoint manager dans un gros truc à la Part-Dieu, où tu as 15 personnes à gérer et tout. Et en fait, ça ne me correspond pas du tout, mais vraiment pas du tout. Par contre, j'apprends des rudiments du métier qui me servent encore aujourd'hui, quoi. Sur la gestion de personnel, ou sur la gestion de toi-même, ou la gestion d'entreprise, tout faire, la caisse, le ménage, les vitrines, ce que tu veux, quoi. Et ça te déplaît pas, quand même ? Non, ça me déplaît à mort. Ah, c'est ça, on est d'accord. Par contre, ça m'a servi plus tard. Ok. Mais clairement, c'est pas ça. Et puis à un moment, je lâche l'affaire et je me barre au chômage. Et je commence à avoir l'idée d'un peu de faire des terres, un peu des toiles avec du graffiti parce que ça me plaît, machin.
je fais 2-3 expos, je vends 2-3 trucs, mais en fait, enfin, tu sais, c'est, voilà, c'est sans plus. Mmh. Et puis après, la fin de tout ça, c'est qu'à un moment, je suis au chômage pendant un bon moment, ça commence à durer, mmh. et je vois pas trop mon retour à la vie active, mais vraiment, quoi. Je commence à me dire, je sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie. Et voilà. Et à un moment, il y a un truc, il y a un magazine de graphes, il y a une pub pour une nouvelle marque de bombes, et je sais pas comment, pourquoi, les gars, je les appelle. Et c'est Maquisard à Paris, voilà. Et les gars, je les appelle, le mec me répond, ouais, et je leur dis, pourquoi pas ouvrir un magasin de bombes à Lyon. Et le gars me dit, ouais, ok, je t'envoie des bombes, tu testes, machin, enfin, il y a une réactivité. Classe. Et ça enchaîne derrière, et en fait, ça c'est en août, et j'ai ouvert en décembre 2008. Ouais, c'est donc ça. Ça a fait... Et comment t'as réussi à... Enfin, parce que c'est quand même sacrément des démarches d'entrepreneuriat. Je veux dire, à un moment, tu passes ouais. de chômage à je construis un projet avec des finances aussi, hein, parce que c'est ouais. pas le même délire. Hein. Ouais. Vas-y, parce que pour tous ceux qui nous écoutent et qu'en plus sur des métiers comme ça où tu dis que c'est des métiers passion, comment tu montes ton truc en fait ? Bah, en fait, mes études, tu vois, ces études-là qui étaient un peu relou pour moi, elles m'ont. T'apprends ça dans tes études, à faire un business plan, à faire un CA prévisionnel, etc. Et donc du coup, ben, je pensais pas, mais là, ça m'a servi. Tu vois, donc tu vois comment un peu cadrer le truc. Ouais. Après, c'est sûr que quand tu vas voir un banquier et que tu lui dis je vais vendre des bombes de peinture, ça marche pas quoi. Ouais. Donc il fallait enrober le truc. Fallait dire, moi je disais je vais faire un magasin de beaux-arts, tu vois. Tu sais, c'était un peu évasif sur le truc. Mmh. Ouais, voilà. Et puis voilà, ça l'a fait quoi. Et après, bah, surtout, c'est pas faire toutes les histoires, mais c'est Papy Aéro. C'est un mec qui avait un magasin de bombes de peinture dans cette période où moi j'étais employé dans cette boîte et où après j'étais au chômage et qui s'est fait couler par mon concurrent qui est toujours là actuellement. Mais on ne va pas faire toute l'historique là-dessus, ça va être trop long. Et lui, en fait, je vais le voir parce que je me dis, bah, en fait, ce gars-là, bah, lui, il sait, il a tenu un magasin de bombes de peinture et j'étais client chez lui et on ne s'entendait pas trop mal. Et donc je vais le voir et lui, bah, forcément, c'est un super gars, il ouvre les vannes et il me donne des tips. Les contacts, les trucs, ça m'aide de ouf. Et puis, bah, j'ouvre le truc grâce à ça, quoi. Ok. Tes premières commandes et tes premières ventes. Parce que ça, c'est ce truc hallucinant. Vas-y. Ouais, c'est marrant. Ouais. Bah, les premières ventes. En fait, la première vente que j'ai faite, j'étais pas ouvert. C'est-à-dire que j'ai ouvert un lundi, c'était le samedi. J'étais en train de fignoler mon comptoir qui est là. Et il y a des petits jeunes qui arrivent. Parce qu'en fait, j'avais traîné un peu sur 2-3 événements et je commençais à faire courir un peu le bruit, mais gentiment, parce que je voulais que ce soit un effet de surprise aussi. Et ces mecs-là, ça leur est venu à l'oreille et ils viennent au magasin. Et moi, je suis là en mode, bah, pas ouvert. Bah, pas ouvert, mais bah, finalement, ouais, pourquoi pas. Et puis, ils achètent pas grand-chose, ils achètent 2-3 bons. Voilà, puis après, j'ouvre. Et puis, ouais, ça se passe. Alors après, c'est clair que c'est un peu... Le concurrent en face, c'était une chaîne de magasins. C'était un poids lourd, c'est toujours un poids lourd du graffiti en France. Et c'était un peu David contre Goliath. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé et qui, six mois ou un an après, m'ont dit « Ouais, en fait, nous, on t'a soutenu, machin, mais en fait, on n'y croyait pas, quoi. » Et un peu personne n'y croyait. Et en fait, même moi, je crois qu'il y a un truc un peu inconscient. C'est-à-dire que je l'ai fait, mais en vrai, si j'écoutais mon moi intérieur et si je voulais être prudent, comme je suis un peu de nature prudente quand même, en fait, c'est presque teubé, quoi. Bah, finalement, regarde, ça va faire 15 ans que je suis encore là, quoi. Mais c'est assez fou. Il y a une conjoncture, il y a un pari, et après, il y a un truc où moi, comme tu disais, l'accueil, etc. Bah, moi, j'ai, par contre, mon expérience du commerce, c'est-à-dire, c'est bien de faire du graffiti, mais ça ne fait pas tant un commerçant. Et du coup, moi, mon côté, ok, graffiti, mais mon côté commerce, c'est-à-dire, je connais un peu les produits, mais je sais comment aussi accueillir des gens, bah, ça m'a servi et ça m'a aidé. Après, il y a aussi plein de trucs que je savais pas sur la peinture et que j'ai appris la première année, la deuxième année, la troisième année, etc. Tu apprends des trucs. Toujours. Ouais, mais c'est génial. Mais c'est génial. C'est bien. Voilà, donc l'ouverture d'esprit. Et ben justement, voilà. Pour l'ouverture d'esprit, tu me parlais tout à l'heure, il faut que je me calme dans ma diction moi aussi parce que le truc qu'on a ici, je pense que tu peux cadrer Arnaud, à mon avis, c'est une expo, mais tu en as plusieurs en fait parce que ça change. Et quand tu me parlais de magasin de Beaux-Arts, en fait, tu as toujours eu, enfin depuis le temps où je croise le magasin, ce désir de mettre en valeur des artistes parce que je pense qu'à un moment, c'est le cas, hein, effectivement. Ouais. Et comment ça t'est venu, hormis le fait de vouloir créer un magasin Beaux-Arts, mais je pense que tu as quand même ce... Alors en fait, à la base, avant d'ouvrir le magasin de bombes de peinture, je suis avec un pote, on est au chômage, et on se dit, mais clairement, alors franchement, c'est teubé, hein, mais on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire
qu'on kifferait et qui ne demande pas trop de taf. C'est tombé comme réflexion. Ok, ouais, non, mais on voit. Et à un moment, on tombe sur, je sais pas, genre, on kiffe un peu l'art, mais sachant qu'on n'y connaît vraiment pas grand-chose, on n'a pas fait histoire de l'art ni l'un ni l'autre, on n'est pas, voilà, on n'est vraiment pas des gens cultivés là-dedans. Et on se dit, ouais, une galerie, je sais pas, ça a l'air cool, les mecs, ils sont posés dedans, ils font les vernissages, ils accrochent les trucs au mur, après, ils font rien. En fait, bon, j'ai appris bien après que galerie, c'est un putain de métier de fou. Donc voilà, big up les galeristes. Mais du coup, là-bas, c'est un peu ça. Et au fait, cette idée-là, on l'a à deux. En fait, lui, il attaque un boulot, donc voilà, il n'est plus au chômage. Moi, je reste au chômage. Et en fait, je pars sur cette idée de bombe de peinture. Mmh. Et en fait, l'idée de la galerie, clairement, c'est l'acquisition du local qui fait que je me retrouve avec cette surface qui est toujours la même depuis 15 ans. Mmh. Et en fait, à un moment, j'ai un espace pour faire ci, un espace pour faire ça. Et à un moment, je me retrouve avec un espace qui est vide. Et là, je me dis, bah, pourquoi pas faire des expos. Et du coup, je fais des expos quasiment dès l'ouverture. Et à la base, je l'ai fait pendant 4 ans, je crois. Je faisais une expo tous les mois. Tous les mois. Et par contre, je fais une expo tous les mois. Et au bout de très peu de temps, parce que j'ai des potes quand même qui sont graffeurs et qui ont rencontré d'autres gens qui sont artistes peintres, qui peignent à l'huile ou des photographes, etc. En fait, je rencontre plein de gens talentueux. Et en fait, direct, j'expose des gens qui n'ont rien à voir avec le graffiti. Pour ouvrir les œillères des graffeurs qui sont vraiment en mode très fermé, très genre le graff, c'est le graff, le reste, on s'en fout. Ben non, regarde, ça, ça tue. Et regarde, moi, je te le montre, regarde comme ça tue. Et ça marche. Et j'ouvre les œillères et je fais ça pendant au moins 4 ans, 5 ans. Et à un moment, j'arrête et je fais que le format qui est actuel, c'est-à-dire je fais des expos avec le mec qui fait la façade. Il fait une expo qui dure beaucoup plus longtemps et il prend un peu possession des lieux. Mmh. Ça, il peut y avoir de la collab, il peut y avoir du t-shirt, il peut y avoir, tu vois, voilà, on fait un truc qui est vraiment un peu plus imprégné, qui dure plus longtemps, mais ça, je l'ai recadré au bout d'un moment. Et forcément, de par ne serait-ce que le fait de peindre la façade et tout, ça recadre un peu sur le graffiti. Et c'est aussi intéressant parce que c'est un autre format. Oui, c'est très bien. Parce que c'était fatigant un peu de le faire tous les mois. C'est-à-dire que oui, ça demande du job quand même. Ouais. Mais ce que j'aime bien chez toi, c'est ce dont on a parlé, c'est cette capacité d'ouverture et de vouloir vulgariser. Alors, ce n'est pas un mauvais terme, vulgariser, moi j'aime beaucoup, parce que ça vient de vulgus en latin qui veut dire la foule. Ouais. Mais la foule, c'est hyper important de toucher tout le monde, parce que je reviens à mon premier point qui était que certes, tu peux avoir des merdes en graffiti, mais tu peux avoir des choses tellement splendides qui te portent, mais tellement loin. On découvre toujours, on a toujours quelque chose à découvrir et quelque chose à apprendre. Et ça, tu l'apprends en vieillissant un peu. Parce que moi aussi, je peux avoir un côté, j'ai pu avoir, et je peux encore l'avoir, un côté des fois un peu radical. Mmh. Un côté jugement, un côté tu vieillis. Donc, les jeunes, machin. Hein. Et puis après, si tu dis les jeunes et que tu fermes le truc, tu vas louper tous les prochains talents qui vont émerger. Il y a des trucs de ouf. Et d'ailleurs, plus ça va, plus il y a des trucs de ouf. C'est fascinant. Donc, soit tu restes campé sur un truc, genre c'était mieux avant. Mmh. Mais ça a été mon cas à un moment, je ne jette pas la pierre. Non, non. Mais... Bon, en fait, ce postulat-là, il est débile parce que tu loupes tellement de richesses derrière, quoi. Et voilà, il ne faut pas être aigri d'un truc, il faut juste s'ouvrir à ce qui se passe maintenant que c'est grave intéressant. Et tu le fais bien. Et d'ailleurs, tu vois, ça me permet de rebondir donc, sur la suite parce que, de cette interview-là, parce que je vois bien le moment où je voulais venir sur... Bon, tu vas pouvoir placer des anecdotes aussi, mais sur tous ces gens qui viennent de tellement d'horizons différents avec lesquels tu parles et t'échanges et tout ça, et tu offres des choses nouvelles. Et là, t'as le choix, alors t'es... vas-y. Il y a des gens qui étaient là avant que le magasin existe et qui seront là après. Il y a des gens à qui j'ai tendu la main et que j'ai fait évoluer. Mais après, je suis pas... Enfin, tu vois, je vais pas me glorifier de ça. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant là-dedans, c'est... En fait, ce qui est intéressant là-dedans, dans toute mon expérience, et y compris avec le nombre d'années que j'ai le magasin, Le maxi plus, c'est les rencontres, en fait. C'est les rencontres, et les rencontres improbables. Qu'elles soient dans le graffiti, c'est-à-dire que j'ai... Pour les gens qui font du graffiti, ça va leur parler. C'est-à-dire que quand tu as un mot de tout qui vient au magasin, ou un signe, ou un cesse, et je vais pas faire du name dropping comme ça à l'infini, mais il y en a plein, et que des fois, tu as des rapports un peu... Tu as des moments un peu privilégiés avec eux et tout, et que c'est des mecs, c'est des idoles de jeunesse et tout, donc c'est assez fou. Moi, quand j'ai ouvert un magasin, je pensais pas du tout à ça. Et je pensais pas que ce serait possible un jour que telle personne vienne acheter des bombes ou me parler via ça. Mais en fait, il se trouve que c'est un milieu qui est
comme je disais tout à l'heure, qui est un peu fermé, un peu petit, et du coup, tu peux rencontrer tes idoles relativement facilement. C'était pas le but du jeu du tout. Même presque, bon, enfin, je crois que je... Ouais, tu c'est pas que je m'en ça. Foutais, c'est que je calculais vraiment pas cette partie-là. Par contre, des fois, quand ça m'est arrivé parce que je cherchais pas ça et que c'était spontané. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et après, avec le recul, tu te dis, ouais, mais en fait, c'est ouf, quoi. Tu vois, vraiment, tu te dis, mais c'est dingue. Et vraiment. Et en public, t'as qui vient ? Bah, tellement de gens différents. Voilà, et après, toutes les rencontres sont pas forcément bonnes. C'est-à-dire que y a des gens super intéressants. Il y a des gens avec qui t'accroches pas au début. C'est compliqué, puis finalement, il se révèle des gens super intéressants. Il y a des gens, désolé, il y a des têtes de cons qui resteront des têtes de cons. Et puis après, il y a aussi pas mal de gens qui sont mes amis aujourd'hui dans mon cercle très proche, bah, que j'ai rencontrés grâce au magasin, quoi. Donc tu te dis, quand même, l'impact sur ma vie, il est sur ma vie sociétale, ma vie tout court, ma vraie vie. Parce que je cloisonne beaucoup aussi les deux. C'est-à-dire que y a plein de gens qui pourront dire, ouais, Flo, il est sympa. Par contre, il n'y a pas beaucoup de gens que je connais au magasin qui sont venus chez moi, par exemple. Mmh. Parce que ça, je le réserve à un truc un peu proche, parce que je suis très lyonnais. Et c'est un peu relou à des moments, mais en même temps, il y a beaucoup de, il y a un bon côté de valeur et de trucs pas éphémères. C'est-à-dire que il faut, la carapace n'est pas évidente à percer, mais si elle est vraiment percée, c'est pas pour de faux. Donc, c'est un peu relou des fois la fermeture d'esprit lyonnaise, mais par contre, elle a ses bons côtés aussi. Ok, tu as voilà. Des anecdotes. T'en as ouais, 15 millions. Plein, tu ouais. Peux en prendre 3 parce que ça va être. Les 3 qui te viennent, t'en as forcément. La première qui te vient. Parce que tu parles de rencontre ? Je parle de tout. Alors je pensais plutôt rencontre, mais tu peux. T'en as plein. Par rencontre, j'ai clairement, je crois que j'ai. Dans le top 3 de mes meilleurs amis, je les ai rencontrés grâce au magasin. C'est-à-dire que sans le magasin, je les aurais peut-être jamais rencontrés. Après, j'ai des rencontres extérieures au graffiti aussi. Il y en a une qui est marquante, c'est pas pour faire un, pareil du nom, en plus ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais Lucho Bukowski, qui est un rappeur lyonnais, bah lui, le rencontrer, le côtoyer à plusieurs moments, etc., même si on n'est pas cuit et chemise, tu vois, on s'appelle pas tous les 15 jours et tout, mais ça a toujours été ultra enrichissant et ultra bienveillant et trop cool de rencontrer ce gars-là, quoi, parce que c'est un putain de puits de science et que. C'est un mec ultra productif et que voilà, c'est assez fou, quoi, en fait. Je pense que les gens, dans quelques années, ils se pencheront sur ce qu'il fait et ils se diront, wow, c'est quoi ce gars, quoi. Et moi, on se fait la bise. Je m'en fous, c'est pas parce que le mec est connu, on s'en fout, mais par contre, on s'aime vraiment bien, quoi. C'est ça qui m'intéresse. C'est le rapport humain, et voilà, et sans faux semblant. Et après, attention, ça peut être biaisé aussi parce que t'as un magasin, donc du coup, tu fais un peu référence. Oui. Mais moi, je suis pas dupe de ça, et les gens, d'ailleurs, qui sont plus connus que mon magasin dans le graffiti ou ailleurs, ben justement, ils n'ont pas ce rapport-là, quoi. Ils ont un rapport simple de ouais, le mec est cool, pas c'est un tel ou pas, c'est le mec des 81, ça fait des années qu'il est là, c'est un incontournable. Non, pas du tout, quoi. C'est vraiment des trucs simples. Et au final, la simplicité, elle gagne toujours. 15 ans après, t'en penses quoi ? Je kiffe. Il y a des hauts débats. Je ne vais pas te faire le truc du commerçant, le Covid, machin, mais... et puis, le Covid, OK, après, c'est le post-Covid, quoi. C'est vraiment, ça a tout niqué, quoi. C'est-à-dire que les comportements d'achat, les trucs, les références, les habitudes, c'est fucked up. Moi, je le dis, et n'importe quel commerçant dans n'importe quel domaine te le dira. Donc, c'est assez fou. Il y a des moments où ça peut être compliqué. Il y a des moments où tu reprends la gouache aussi. Ouais. C'est dur parce que c'est long. C'est clairement, je gagne pas, je veux pas, voilà, j'ai pas fait ça pour ça, mais je gagne pas ce que je devrais gagner par rapport à l'ancienneté que j'ai en tant que chef d'entreprise, entre guillemets. Par contre, j'ai un employé, j'essaie de m'y tenir, j'essaie de payer tout le monde dans les temps, lui en priorité, moi aussi. En fait, on essaie de tenir la baraque. C'est maxi chaud, mais c'est maxi chaud pour beaucoup de gens. Donc voilà. Après, quand c'est un peu dur, bah, des fois, tu te dis, ouais. Putain, tu fais ce que t'aimes, et puis t'as encore ces rencontres-là qui sont chambées. Et c'est ça, le bonus du salaire, il est là. Ouais, c'est utile. Il est dans l'humain, il n'est pas dans le financier. Donc c'est bien. Après, attention, je dis ça, j'ai pas d'enfant. Tu vois, c'est un peu facile de dire ça quand t'as pas une bouche à nourrir. Oui, mais alors, moi non plus, j'ai pas d'enfant. Et c'est
parce pour ça aussi que je me surinvestis ou j'ai le choix de me surinvestir dans ce que je fais. Et je trouve que ça, par rapport à ce temps libre que je peux avoir justement parce que je n'ai pas d'enfant, je trouve que ce serait dommage de ne pas en faire profiter autrui. Bien sûr. Et je pense que c'est pour ça aussi que je t'apprécie, parce que ce temps que tu as, tu le donnes aux autres. C'est-à-dire que tu les accompagnes, et c'est ce que j'ai vu en tout cas dans ton temps. Bah, donc merci. Oui, je sais que tu taffes énormément, c'est bon, je te vois. Alors, je taffe énormément, c'est sûr. Il y a une présence qui est quand même assez conséquente. Après, attention, quand... moi, je dis toujours, j'ai fait des taffes de merde avant, je t'en ai parlé, et quand je commence à me plaindre, je ne suis pas à l'usine non plus, tu vois. Et ça, aussi, ça fait partie du salaire. C'est-à-dire que, OK, il y a un sacerdoce, c'est-à-dire qu'il faut y être. Je ne sais pas, un lundi, il pleut, machin, tu arrives, tu fais, aujourd'hui, ça va pas briller. Et des fois, tu cartonnes, et des fois, il y a un samedi, il fait super beau, tu dis, aujourd'hui, on va cartonner, tu ne cartonnes pas. Donc ça, c'est la magie du commerce. C'est fascinant, ça. C'est fascinant et c'est casse-couille à mort. Par contre, quand des fois c'est un peu dur, bah attends, on l'a choisi, personne ne nous a mis un flingue sur la tempe pour faire ça. Et il faut toujours prendre du recul et savoir ce que tu trouves. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah ouais, je suis pas le plus à plaindre, je suis pas à l'usine, tu vois. J'aime ce que je fais et des fois ça me saoule, mais c'est facile de recadrer en disant oui, mais regarde, c'est bien, tu vois. Après, voilà, il y a le truc. Moi, je ne suis pas du tout dans le truc lucratif, mais par contre, concrètement, des fois, je me dis, ouais, c'est aussi un peu une chance. C'est aussi un peu luxe, parce que si j'étais, je ne sais pas, c'est un peu tendu, machin, j'ai deux enfants à nourrir et tout, est-ce que je ferais ça? C'est pas évident, quoi, tu vois. Donc, il y a aussi ça. Ça me permet de le faire parce que ma condition, ma vie sociétale me permet de le faire, mais je ne suis pas dupe. Deux, c'est pas forcément évident et ça pourrait pas être évident pour tout le monde. Donc ouais, je comprends. Non, mais je comprends tout à fait. Pour plus tard, quand tu seras grand, quand on sera tous grands, un jour peut-être. Oh mon Dieu. Donc plus tard, t'envisages comment la suite pour toi ou pour le magasin ou pour toi? Alors, je sais pas parce que. Ouais, cette question, elle est intéressante parce que en fait, elle se pose clairement au bout de, je crois, un an ou deux ans d'activité. Donc tu te dis, c'est pas forcément gagner plus d'argent, quoi, on a parlé, mais c'est comment tu fais évoluer le truc, quoi, tu vois. Et donc, il y a plein d'idées qui te viennent. Il y en a que j'ai concrétisées, d'autres pas. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Et puis, des fois, t'as la marge de manœuvre pour le faire. Pareil, sans avoir les contraintes familiales, une fois de plus. Et des fois, le contexte financier fait que c'est maxi tendu et que t'as zéro marge de manœuvre. C'est-à-dire que tu peux pas lancer une idée, ou alors si tu lances une idée qui coûte un minimum, tu te dis... Et là, il faut que je sois sûr, il ne faut pas que ça plante, parce que si ça plante, ça me met dedans. Mais par contre, à l'inverse, si tu ne fais pas un truc, tu ne sais pas comment ça peut rebondir. Donc, c'est ça qui est teubé dans l'entrepreneuriat, tu vois. C'est que tu es un peu coincé entre prendre des initiatives et prendre des risques, et en même temps calculer les risques. Et c'est super dur à gérer au quotidien. Après, l'avenir, là, franchement, vu le contexte actuel depuis post-Covid, après, on est en mode... les gens plaquent leur taf, la guerre en Ukraine, j'en passe, c'est des meilleurs, etc. Le truc, c'est tenir déjà. Tenir, c'est déjà un objectif, c'est déjà un challenge. Après, faire évoluer le truc ou faire quelque chose de différent à côté en pérennisant aussi l'autre, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Peut-être que ça marchera ou ça se présentera à moi, peut-être pas. Après, il y a un moment où je me disais... Là, j'ai 41 ans, je me disais, je vais pas me retrouver à 50 piges derrière un comptoir avant des bombes de peinture en disant « Yo, mec, ça va ?» et tout, tu vois. C'est un peu pathétique. C'est une vision que tu as, mais qui n'est peut-être pas celle-là, justement. Et puis, tu sais pas ce que tu... Enfin, est-ce que tu as un désir de changer, de croître? Est-ce que tu as un désir de changer d'activité? C'est des phases. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, tu peux te dire « Attends, j'en ai marre. » Et des fois, tu te dis « Mais non, en fait, là, je suis bien. » Et puis, je te dis, des fois, c'est même ton quotidien qui était un peu banal avant, ça devient un challenge. Ouais, parce que c'est un quotidien. Ouais, c'est ça. Donc, tu t'attendais pas à ça, mais en fait, le truc de tenir le pavé et d'être encore là, ça te rebooste, ça te redynamise et ça te rechallenge, quoi. Donc, ça te remet la gouache et l'envie. Donc, voilà. Là, tu as une passion, clairement, et en plus, tu la transmets. Qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui s'intéressent au graphe? Conseil ou pas conseil, ou justement anti-conseil, si tu veux, mais les trucs que tu voudrais transmettre, que ce soit aux jeunes ou aux anciens, enfin plutôt aux jeunes, je dirais, mais. En fait, transmettre, enfin, ce que je voudrais dire aux gens qui veulent cesser au graphe, ça fait un an ou deux, on a des clients quasi toutes les semaines qui arrivent et disent
je veux me lancer dans le graphe, j'y connais rien. Pas de problème. On leur explique le matériel, les rudiments, etc. Des fois, ils reviennent, les trois quarts, ils ne reviennent pas. Ok, parce que maintenant, le street art, le truc, ça a explosé en termes de médias. Le discours, il a changé. On est passé du procès de Versailles en 2001 en mode la police a arrêté les 100 plus gros gangs de taggers sur train à Banksy fait une expo à New York, on fait un reportage tous les jours aux 20h quoi, de TF1, de TF1 en plus, tu vois. Donc voilà. Donc ça, vraiment, ça a changé parce que ça vend, parce que ça génère de l'argent, donc ça devient mainstream. Ok. Bah, c'est bien d'avoir des gens qui se lancent là-dedans parce que ça reste créatif, donc c'est intéressant. Après, le problème de ça, c'est que maintenant, c'est presque inconsommable. Il y a des gens qui font ça, tu as l'impression qu'ils peignent, ils ont l'impression que c'est légal, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, tu vois, ils ne sont pas au courant des risques encourus. Bah, à la limite, tant pis pour eux, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que le vrai truc, c'est qu'il y a un historique. Il y a un peu des gens qui en ont bavé pour que... Par exemple, moi, tu vois, s'exprimer, ouais. Moi, quand j'ai commencé le graffiti, je me disais pas, je vais ouvrir un magasin de bombes. Mmh. Et pour les mecs de la génération du début 84-85, un magasin de bombes, ça n'existait pas parce qu'ils volaient leurs bombes. Donc, tu vois, déjà, moi, ce que je fais, c'est déjà... je suis conscient que c'est déjà différent de la culture de base. OK ? Bon, après, bah, écoute, mon parcours de vie a fait que c'est devenu comme ça. C'est mon gagne-pain. Je ne vais pas pleurer non plus parce que c'est quand même mieux ça que de visser des trucs. Mais par contre... Ben voilà, ça pervertit aussi un peu la culture, tu vois. Mais en même temps, ça permet à plein de gens de vivre et à des mecs qui ont créé des marques de bombes, etc. Enfin, voilà, c'est que des gens passionnés qui font ça. Même les gens qui vendent des toiles maintenant et qui font des fois des collabs, des fois un peu teubés ou machin, avec des trucs de luxe et tout. Mais bon, le gars, attends, s'il arrive et qu'il a payé son tribut au truc et qu'il a été. Il a fait son dû dans la rue et que maintenant il a des enfants à nourrir et que par son art et par sa créativité, il arrive à gagner de l'oseille avec ça, ben, au lieu d'être jaloux, sois content pour lui, quoi. Ben, tu vois, ouais. Voilà. Simplement. Mais après, ça, forcément, ce discours-là, comme maintenant, tu as des gamins qui arrivent et qui sont directs dans une démarche marketing et pas dans une démarche de faire de l'art pour faire de l'art, bah forcément, ça pervertit un peu le truc, quoi, tu vois. Et en même temps, bah, ça reste vivre de sa passion. Donc, tu vois, tu peux pas freiner le truc et l'encourager d'un côté. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Ouais, mais vraiment, c'est un peu une branlette intellectuelle, mais c'est un peu ça. Et donc, du coup, bah, le discours que j'aurais aux gens qui veulent se lancer là-dedans, c'est... Renseignez-vous, en plus, putain, maintenant il y a internet et tout. Renseignez-vous sur ce que les gens ont fait avant vous, sur quel nom a été utilisé, et pas en prendre un qui est déjà historique, tu vois, parce que c'est teubé. Et puis maintenant vous avez tout à portée de main, les médias, etc. Enfin, genre, t'es dans ton salon, tu te mets sur YouTube et tu peux manger du graffiti pendant 2 ans si tu veux, quoi, tu vois. Donc, renseignez-vous, intéressez-vous à ce qui s'est fait un peu, machin. C'est intéressant de casser les codes, mais pour casser les codes, il faut s'y approprier. Alors, je sais qu'il y a des collectifs qui permettent justement, dans ce cas-là, de rentrer dans un cadre, on va dire, plutôt légal, ouais. C'est-à-dire d'essayer les bombes sur des fraises, sur des temps mis en place par la mairie, etc. Ouais. Et ça vaut le coup d'aller justement voir ces structures-là. Ça peut être bien. Ça a été des révélations pour certaines personnes. J'ai des clients à moi qui ont entre 30 et 40 ans et ça a été une révélation pour eux. C'est-à-dire que des mecs qui n'ont jamais fait du graffiti, d'un coup, ils se sont dit ouais, « c'est chambé, il faut que je fasse ça ». Et voilà, c'est des mecs qui continue et qui expose en plus un peu partout, bah, tant mieux, pourquoi pas, enfin, trop bien, quoi, tu vois. Après, c'est le graffiti, le vrai graffiti un peu pur et dur, c'est pas un loisir, c'est un mode de vie, quoi, tu vois. Et donc, du coup, quand tu l'entreprends, il faut aussi savoir dealer avec toutes les conséquences qu'il va y avoir. C'est-à-dire les problèmes judiciaires, se retrouver dans des ronces à 3h du matin au bord d'un autoroute ou d'une voie ferrée, prendre des risques, voilà, quoi, tu vois, c'est ça le vrai truc. Ouais, mais c'est un truc viscéral d'expression. Tellement. Ouais. Bah ouais. Après, ça marche pour plein de trucs. Enfin, même oui, pour... parce que là, on est sur le graphe, mais effectivement, mais dans tout, le milieu artistique, ça... Pour parler d'un truc qui est devenu mainstream, qui est le hip-hop, qui est ma culture, je pense que n'importe quel rappeur ricain un peu ancien, machin, tu disais un jour, tu vas être millionnaire en faisant ta musique, alors que personne ne savait ce que c'était, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Regarde Dr. Dre, quoi, tu vois. Par exemple. Mais c'est un super exemple. Après, attention, c'est le discours à l'américaine... Ouais, si tu veux, tu peux, t'entreprends, machin. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que il y a des périodes, facteurs, il y a des périodes, il y a de la chance, il y a du talent, il y a du travail, ça c'est sûr. Mais après, c'est le discours de Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, nique ta mère en fait. Ça veut rien dire. C'est-à-dire que tu peux pas, pardon, mais tu veux pas dire aux gens, ouais, si tu veux, tu peux, comme Macron dit, ouais, tu veux du taf, traverse la rue. Mais non, mec, tu peux pas dire ça à des gens, c'est pas possible, ça existe pas en fait, tu vois. Donc il faut faire attention à ce discours-là de réussite à l'américaine. Par contre, dans le hip-hop, depuis le début, bah, y a beaucoup de self-made men, et c'est quand même chambé de voir des gens
qui étaient partis pour être dans la même condition que leurs parents et qui sont devenus super. Ouais, mais tu vois, pas forcément riches parce qu'on s'en fout, mais au moins ils ont influencé des générations derrière, que ce soit dans le graphe ou dans la musique, etc. C'est mais ils ont bifurqué, ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi ce qui était prévu parentalement. Ils ont fait leur chemin, ils ont pété les portes, ils ont pété les fenêtres, ils ont cliqué, quoi, mais ils ont fait leur truc jusqu'au bout. Et ça, c'est fatu. Mais moi, je te dis, quand j'ai commencé le graffiti, il y avait. Jamais de ma vie, je me serais dit, un jour, je vais avoir un magasin de bombes de peinture. Pas du tout, c'est mon parcours de vie via le commerce et les études, et après le pro et via le graffiti, qui a fait que j'ai allé les deux. Et que j'ai eu la chance d'aller les deux, mais c'était pas du tout écrit, quoi. Donc, attends, merci. Voilà. C'était cool. Ouais, carrément. Une bonne petite interview de tout ça. Merci à toi. Mec, merci beaucoup. Et ben, on démarre donc cette saison grâce à toi, ce qui est cool. Ouais, ça marche. Et ben, je te remercie beaucoup pour tous les gens à qui tu amènes cette possibilité d'expression. Merci à toi. Ça merci marche. À toi pour l'intérêt. Ciao. I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe? Do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it?